au plaisir pour nous capables de rentrer la caillou avec émission ça, actualité en question. Toujours même équipe là pour présenter au show. Hein? Steve lui-même n'est pas présent, mais moi-même, Kerbi Marcellus avec Yvan Martin et nous parlons présenter actualité en question. Bonsoir Yvan. Bonsoir Kerbi, bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Téléana Kaona. Et puis nous saluons tout le monde qui branche avec nous dans Miami sur Channel 11.21, dans Orlando sur Channel 38.2, et puis tout le monde qui live avec nous sur Facebook, sur www.teleanakaona.com, et puis tout le monde qui a un smartphone yo, qui a suivi l'actualité en question sur Teleana Kaona. Nous allons regarder ce qui a dominé l'actualité en Haïti. Office de protection citoyenne en pays d'Haïti organise une conférence débat avec tout le magistrat communal dans l'idée pour parler comment on doit gérer la collectivité territoriale. Ah ben, nous parlons par les élections en Haïti. Ah ben, bureau contentieux électoral départemental li estime li incompétent pour statuer sur cas de contestation yo en Haïti dans le cadre résultat préliminaire élection 20 novembre 2016. La mairie de Port-au-Prince s'est parlé avec bailleurs de fonds, avec même secteur privé, avec autorité ou dans l'État pour comment au Kagoumen avec question insalubrité dans la capitale pays. Toujours dans le dossier élection, yo enregistré 30 cas de contestation dans le cadre élection en Haïti. C'est seulement 28% de femmes qui ont voté dans l'élection 20 novembre 2016 passé. Élection 20 novembre était acceptable, mais il y a une pile correction qui pour faite selon coalition observation électorale là en Haïti. Et puis l'ambassade Panama dans le pays d'Haïti dénonçait un réseau racketé qui a fait faux visa pour aller dans le pays Panama. Mais après chambre de commerce et américaine, chambre de commerce en Haïti préoccupée par manifestation violente qu'a faite en Haïti et face à appel à la violence qu'a faite dans le pays, dans ce sens, chambre de commerce en Haïti montre très préoccupée. Amis téléspectateurs, et nous pourrons prendre une légère pause pour nous venir. Et tout de suite après, avec développement, quelques notes ça aurait été branché sous Teleana Kaona, on attendait tout de suite après. Est-ce que nous connaissons un pile à bulle dans tout domaine? Citoyens, citoyennes, vous devez faire tête nous, il faut que nous connaissions nous. Oui, c'est bien accident, oui. C'est assurance qui a payé ça. Oui. Réunion de Smith-Low, 407-299-85-89. Dès vous faire accident machine, pas quitter les hommes à bulle, faites monter des sons. Allez jouer un avocat, Anthony Smith-Low, pour jouer un résultat. Ou faire accident dans le travail, ou tomber sous dos, ou fracturer pied, ou dos formal, ou besoin jouer une action légale. Depuis c'est accident de travail, assurance qui a payé ça. Oui. Allez jouer un avocat, Anthony Smith-Low, 407-299-85-89. Même cap souffri ak do fait mal, cou fait mal, tête fait mal, accident machine. Ah, misère ou fini. Better Care Chiropractic Center qui chita kol nan 2834 North Awasi Road derrière do KFC a fait toute douleur volé gagé. Bon qualité docteur compétent, avocat qui fait l'argent vinn joine nous avant badjeo, équipement sophistiqué, employé qui konn jan pou akeyi moun, parking a gogo, transportation gratis ti chéri. Mon cher, Better Care Chiropractic Center gen tout sa wap chèche nan gros clinique. Rele yo nan 407 556 72 58 407 299 77 37. Mes amis, ça pas réclame. Alwe ak degrenje. Have you been in an auto accident? If so, then you should meet with an attorney to learn your legal rights. Hello, I'm attorney Chris Anouj with the Anouj Law Firm, and we have over 37 years of combined legal experience. As a former insurance company attorney, I know what they typically look for when evaluating a case,
Let my knowledge and experience help you obtain the cover you deserve. If you want an experienced attorney to personally handle your case, call me at the Anuj Law Firm at 407-258-8707. Nous parlez Creole. Prestigious Haitian music in association with Tele Anacayona and Radio Pacific FM presents the first prestigious Haitian Music Awards, Saturday, January 7th. Many artists and bands will be honored that evening. Like Class, Magnum Band, Lulu, That's It, Karimi, Suave, Mascompa, T-Vice, This Is, Jean-Jean Roosevelt, Sengle, Harmonic, Nouveau, Chakout Number 1, Gaber, Tilune, Bello, Crayola, Chemise, Oh my God, Synchro, DJ Tony Mix, DJ Gaio, DJ Nicky Mix, DJ Paz, Gaco, Darlene Desga, Michelle Guillaume, Felicia Ross, Mela, Wendy, Troop Makaya, and many more. Saturday, January 7th, the first prestigious Haitian Music Award at the Miramar Cultural Center, 2400 Civic Center Place, beginning at 6 p.m. Admission is $75 in advance and $100 VIP. Hello, I'm Michael Mills with the Injury Assistance Law Firm. Have you been injured in a car accident or slip and fall and no fault of your own and don't know what to do next? Well, call me at 321-234-2900. I've worked for some of the largest insurance companies before starting my own firm and working for people just like you. I can help guide you through this confusing process and make sure you get the maximum compensation for your injury. Remember, the Injury Assistance Law Firm, we're here for you. Orlando's Best Kept Secret is here. Men in Style is your one-stop shop for all your church wear, club wear, formal wear, business wear, and more. Suits on clearance from $49.99 and up. Buy one suit at $149.99, get two free. We also carry a big selection of accessories. Shirt-tie combos starting at $19.99. Shoes as low as $19.99. Hats as low as $14.99. Fashion jeans, blazers, children's suits, clergy wear, and more. Men in Style, clothes that make you stand out from the crowd. Retournez, amis téléspectateurs, après coup de pause ça, pour nous capables de développer quelques titres que nous t'ai annoncé tout à l'heure. Yvan, nous parlions avec dossier élection. Justement, on a commencé avec dossier élection en Haïti. Selon les dernières statistiques qui sont sorties, Kerbi, c'est seulement 8,25% femmes qui étaient arrivées voter dans l'élection 20 novembre passé. C'est seulement 4 qui sont capables d'entrer dans le Parlement haïtien parmi eux. Yon pour aller rentrer dans le Sénat République là et puis toi qui aller dans la Chambre députée. Ah ben, et n'a pas parlé qu'on y a dossier élection toujours. BCED1 rend verdict, li jugé qu'il est incompétent. Bureau contentieux électoral départemental là, jugé peut-être pas incompétent pour le statuer sous cas de contestation sous résultat présidentiel. Yo. 3-4 de contestation t'est faite dans dernier juillet par la paix petit Dessaline avec famille Lavalas et BCEDA renvoyé dossier ça au par devant bureau contentieux électoral national là qui doit statuer sous dossier yo avant le 29 décembre date que CPA lui-même l'a choisi pour capable proclamer résultat définitif élection présidentielle
en Haïti. Par ailleurs, BED de l'Ouest, là, tu recevras trois cas de contestation dans le cadre de législation au Sénat au thème de période là, qui était dédiée jusqu'à jeudi hein, à midi. Donc pour sénatorial, un seul cas de contestation est révélé par bureau électoral l'Ouest. Là. Wally Desence qui t'a précisé que Lavalas, candidat Lavalas, lui Gérald Gilles, qui est venu dans la troisième place dans l'Ouest et vient contester l'élection. Également, c'est Fennel Monchéri qui était en première position pour poste sénateur dans l'Ouest. Donc, lui Gérald Gilles, lui-même, lui contester première place Fennel Mon chéri, dans le département l'Ouest. Donc, BCDA, lui-même, lui estime lui incompétent pour le capable d'attendre trois dossiers de contestation, la paix Petite Dessalines avec famille Lavalas. Justement, il y a diverses organisations dans le pays d'Haïti, dans le secteur privé, ou bien dans la société civile, là, eux-mêmes, qui continuent à dénoncer divers lieux qui, dans le contesté élection 20 novembre passé, d'après divers mouvements, ça, et bien, candidats et contestataires, mettez-vous dans la situation côté a fait pays a non seulement perdu du temps, mais tout fait pays a trouvé non les situations de malaise côté violence d'arriver continue faite dans la capitale paysan à partir de diverses manifestations. Ils ont demandé pour candidat perdant yo reconnaître que yo perdu élection 20 novembre 2016 parce que c'est au niveau de la présidence ou bien au niveau du Parlement. Maintenant, un rapport détaillé relatif à observation élection électorale là et en Haïti, élection 20 novembre 2016. Selon le rapport, ça, scrutin est acceptable, mais il y a gagné en pile préoccupation par rapport à la correction qui doit porter dans affaires élection en Haïti. Coalition Observation électorale, la COE, qui a gagné 5 organisations là-dedans. Conseil national observation CNO, Conseil haïtien acteur non étatique CONAN, Réseau national défense et des droits humains RNDDH, Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme, CAD et plateforme des organisations haïtiennes des droits humains, PODE, et eux-mêmes, ils ont produit un rapport, et bien, ils travaillent pendant plusieurs années dans l'observation électorale, processus électoral haïtien, ils ont estimé que c'est un devoir pour partager avec tout le monde qui est intéressé, rapport détaillé ça relatif à observation électorale là, ben rapport qui est disponible sur internet pour tout le monde qui t'a aimé. Ouais, rapport détaillé ça côté yo souligné préoccupation yo gagné par rapport à réalisation élection en Haïti et correction qui doit apporter dans temps qu'à venir. N'a pas pour l'autre page cabine toujours dans capitale haïtienne non Port-au-Prince dans une note qui sortit l'ambassade Panama en Haïti, eh bien, le fait qu'on ait une seule section consulaire, ambassade et panaméen qui est autorisée pour capable bail visa pour moun à Panama. L'ambassade là profité pour demander public là pour être très vigilant et très prudent par rapport à un groupe escroc et faussaire et même qui prend pour mal un plaisir bail moun faux visa prend l'argent même moun yo bail faux visa dio yo capable aller dans pays Panama avec faux visa s'il y a. Ah ben chambre de commerce là li préoccupé par violence qui a fait en Haïti, entrepreneurs haïtiens yo préoccupé par manifestation violente qui a fait en Haïti et appel à la violence qui lancé par des dirigeants politiques dans cadre ça et monsieur yo mandé pour contester résultat présidentiel 20 novembre yo, mais yo a utilisé violence avec manifestation dirigeants par plusieurs partis politiques qui fait partie de secteur privé, hein, ah ben, yo estimé que le secteur privé hein, lui-même est responsable des défaites yo dans quatre élections ça qui fait en Haïti, yo estimé c'est un coup d'état électoral. Dirigeant parti politique yo OPL par exemple Petite Dessalines yo annoncé que yo pas entendre réaliser des contestations juridiques, yo entendre pardon réaliser des contestations juridiques, mais yo pas pour manifestation, yo obtenir verdict et BCDA avec Conseil électoral provisoire dans cadre scrutin 20 novembre yo.
manifestation qu'a faite dans la rue, il était réalisé quotidiennement par un secteur bien déterminé, monsieur et dame famille Lavalasio, président chambre de commerce industrie l'Ouestland, Bernard Crane, déploré que des actes de vandalisme qui fait pendant manifestation yo qui t'a organisé dans région métropolitaine et lui présenter sympathie à toute victime yo, lui demander pour calme capable retourner dans pays a pour permettre que entrepreneurs et secteur privé en particulier capable vaquer à occupation comme ça doit. N'a fini Kerbi bon côté question société hein, la question sociale yo gagne diverses démarches qu'a fait en Haïti qu'on a pour gommer contre Fatra dans Port-au-Prince, il y a diverses rencontres qui ont multiplié entre le secteur privé, bailleur de fonds, avec autorité étatique, puis quelle stratégie qu'on a mis en place pour résoudre le problème Fatra dans Port-au-Prince. Et puis dans la ville cap-haïtien, il y a des gens qui sont vainqueurs dans l'élection complémentaire, et des gens qui sont devant dans l'élection tiers sénat, et bien, ils ont remblé, et puis ils ont planifié comment ils pourraient nettoyer ville cap-haïtien. Donc déjà gagne opération nettoyage qui commence à faire dans deuxième ville paysanne, pour rappeler que cap-haïtien lui-même te prend pile la pluie le mois octobre, t'es inondation, t'es gagne même plusieurs monde qui t'ai perdu la vie avec plusieurs rues dans cap-haïtien qui t'ai totalement obstrué avec sédiments. Ah ben faut rappeler que initiative ça sorti en bas de sénateurs qui élu n'a parlé de Naoun Marcellus avec Dieudonné Luma Etienne et qui joint support parti politique liant pour organiser activité. C'était dans le cadre fête immaculée, n'a pas rappelé qui fêtait dans tout pays à Milo, à Cap-Haïtien et à Port-au-Prince. Ah ben et n'a fini par ça avec triste nouvelle ça 3 jours après la mort Black Easy. Ah ben jeudi Samba Kessi aka Kessi King Kessi, ah ben monsieur lui-même il est allé, il va. Oui, et puis il y a deux autres personnalités dans le pays qui mourent tout, c'est maître Anel Alexis Joseph qui c'est ancien. Alors c'est premier monde qui était occupé et poste président et conseil supérieur pouvoir judiciaire là, ça que les CSPJ hein, et puis il y a un ancien ministre sous Roulet Préval, c'est agronome François Séverin, lui-même qui était font bon titan dans tête ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural. Ah ben et Samba Kessi lui-même c'est dans Saint-Marc, c'est dans ville Saint-Marc. Monsieur Moura, 54 ans, pendant qu'il était saut joué pour le père, une occasion fête Immaculée Conception. Mm-hmm. Donc monsieur mouri d'une attaque cardiaque dans ville Saint-Marc. Ah ben nous dit que l'âme de King Kessi, Samba Kessi repose en paix. La carrière. Bon Dieu, Yvan. Bien sûr. Bien sûr. Ah ben, et amis, téléspectateurs, nous allons prendre leur pause publicitaire pour nous venir avec les rubriques à ce côté qu'on est. Et rubrique Taux du Joie, restez branchés, télé Anakaona, dans le cadre de show Actualité en question. Pas aller loin, restez avec nous, on va venir tout de suite. Est-ce que nous connaissons un pile à bulle dans tout domaine? Citoyens, citoyennes, vous devez tête nous, faut que nous connaissons, doit nous. Oui, c'est un accident, c'est assurance qui a payé ça. Oui. Rue Anthony Smith Law, 407-299-85-89. Dès que vous faites accident de machine, pas quitter les hommes qui ont pu faire monter des sons. Allez jouer un avocat, Anthony Smith Law, pour jouer un résultat. Ou faire accident dans le travail, ou tomber sous dos, ou fracturer pied, ou dos fort mal, ou besoin de jouer une action légale. Depuis c'est accident de travail, assurance qui a payé ça. Oui. Allez jouer un avocat, Anthony Smith Law, 407-299-85-89.
ou même cap souffri ak dos fait mal, cou fait mal, tête fait mal, accident machine, ah, misère ou fini. Bedeke Kaopati Center ki chita kol nan 2834 North Awasi Road deye do KFCA a fè tout doule vole gage. Bon kalite dokte kompetan, avoka ki fè l'ajon vin jwenn nou avon badje ou, ekipman sofistike, employe ki kon jan pou akeyi moun, parking a gogo, transportation gratis ti chéri. Mon chè, Bedeke Kaopati Center gen tout sa wap chèche nan yon gwo klinik. Rele yo nan 407-556-7258, 407-299-7737. Mes ami, sa pa reklam. Alwe ak degrenje ou. Have you been in an auto accident? If so, then you should meet with an attorney to learn your legal rights. Hello, I'm attorney Chris Anouj with the Anouj Law Firm, and we have over 37 years of combined legal experience. As a former insurance company attorney, I know what they typically look for when evaluating a case. Let my knowledge and experience help you obtain the cover you deserve. If you want an experienced attorney to personally handle your case, call me at the Anouj Law Firm at 407-258-8707. Nous parlez Creole. Prestigious Haitian music in association with Tele Anacayona and Radio Pacific FM presents the first prestigious Haitian Music Awards, Saturday, January 7th. Many artists and bands will be honored that evening. Like Class, Magnum Band, Lulu, That's It, Carry Me, Suave, Mas Compas, T-Vice, This Is Jean-Jean Roosevelt, Zengle, Harmonique, Nouveau, Jacout No. 1, Gabel, Tilounet, Bello, Crayola, Chemis, Oh my God, Synchro, DJ Tony Mix, DJ Gaio, DJ Nicky Mix, DJ Paz, Paz, Gaco, Darlene Desga, Michelle Guillot, Felicia Ross, Melan, Wendy, Chuk Makaya, and many more. Saturday, January 7th, the first prestigious Haitian Music Award at the Miramar Cultural Center, 2400 Civic Center Place, beginning at 6 p.m. Admission is $75 in advance and $100 VIP. Nous retournons, madame, messieurs, pour nous capables de présenter les rubriques. Est-ce que tu connais avec tour du jour, Yvan? Nous allons passer dans deux rubriques. Justement, tour du jour, là, on garde. Alors, la porte est la donnée. Je vais parler de l'importance production nationale. Il n'y a pas de production nationale. Pas de gain autosuffisance, surtout alimentaire. Donc, on a démarré. Avec, bien vite, avec est-ce que tu connais, le saviez-vous, did you know? Ah ben, et jeudi, c'est 9 décembre. 2016, n'a pas le 9 décembre 1883. 9 décembre 1883, by naissance à Élie Lescot. Les mêmes qui étaient président Haïti du 15 mai 1941 au 11 janvier 1946. Ah ben, Élie Lescot était premier ministre pendant ministre d'Haïti à Washington pendant un bon bout de temps. Après que tu fini renversé, il était prend exil, il était retourné en Haïti et quelques trois années seulement, ben monsieur était mort le 20 octobre 1974. Donc Élie Lescot est mort le 20 octobre 1974 alors que les fêtes le 9 décembre 1883. 9 décembre 1941, qui s'est gagné date ça, ben Haïti a demandé la guerre avec Allemagne et Japon. C'était le 9 décembre 1941, Haïti a déclaré la guerre avec l'Allemagne et Japon. Donc il est ça, il était Haïti. Dans l'époque là, où nous connaissons Ivan. Et l'Allemagne du grand Adolf Hitler. Hitler. Donc finalement, il était pour Haïti, pour son pays qui. Peut-être pas de compte, ça l'a fait, hein? Mais pas de compte, ça l'a dit. Donc, c'était une plaisanterie aux yeux du monde entier. Ok, c'est ça. Donc, on nous passe dans l'autre rubrique là. Tout du jour, là, on a rentré directement dans la question de l'argent américain. Comment ça est? Et donc, si on vend un dollar américain, ou on vend pour 67 goudes 15 centimes. Si c'est acheté, on va acheter le cognac là. On va acheter le 67 goudes 65 centimes. On va reprendre. Si on vend un dollar américain, on va il a pas acheté le même 67 goudes 15 centimes si c'est ou même qu'à l'acheter qu'on a là il a vendu 67 goudes 65 centimes
Ah ben, et voilà, madame, monsieur, c'était deux rubriques que nous sommes présentons là. Rubrique Est-ce que tu connais le saviez-vous? Et avec rubrique Tour du jour là, que moi-même avec Yvan Saut présentons là. Nous allons prendre une légère pause dans un show actualité en question. Nous allons retourner tout de suite après pause là pour nous capables de commenter actualité et venir avec invité actualité en question à soir. Restez branchés, pas aller loin. Est-ce que nous connaissons un pile à bulle dans tout domaine? Citoyens, citoyennes, vous devez faire tête nous, il faut que nous connaissions, doit nous. Oui, c'est un accident, oui. C'est assurance qui a payé ça. Oui. Rélandoni Smith Law, 407-299-85-89. Dès que vous faites accident de machine, pas quitter les hommes à bulle, faites monter des sons. Allez jouer un avocat, Anthony Smith Law, pour jouer un résultat. Ou faire accident dans le travail, ou tomber sous dos, ou fracturer pied, ou dos font mal, ou besoin de jouer une action légale. Depuis c'est accident de travail, assurance qui a payé ça. Oui. Allez jouer un avocat, Anthony Smith Law, 407-299-85-89. Même cap souffri ak do fait mal, cou fait mal, tête fait mal, accident machine. Ah, misère ou fini. Ben de Kerkaopati Center qui chita kol nan 2834 9 Awasi Road deye do KFC a fait tout douleur volé gage. Bon qualité docteur compétent, avocat qui fait l'argent vin joindre nous avant badjeo, équipement sophistiqué, employé qui konn jan pou akeyi moun, parking à gogo, transportation gratis ti chéri. Mon cher, ben de Kerkaopati Center gen tout sa wap chèche nan Ogo Clinic. Rele yo nan 407 556 72 58 407 299 77 37. Mes amis, ça pa réclame. Alwe ak degrenjo. Have you been in an auto accident? If so, then you should meet with an attorney to learn your legal rights. Hello, I'm attorney Chris Anouj with the Anouj Law Firm, and we have over 37 years of combined legal experience. As a former insurance company attorney, I know what they typically look for when evaluating a case. Let my knowledge and experience help you obtain the cover you deserve. If you want an experienced attorney to personally handle your case, call me at the Anouj Law Firm at 407-258-8707. Nous parlez Creole. Prestigious Haitian music in association with Tele Anakayona and Radio Pacific FM presents the first prestigious Haitian Music Awards, Saturday, January 7th. Many artists and bands will be honored that evening. Like Class, Magnum Band, Lulu, That's It, Karimi, Suave, Mas Compas, T-Vice, This Is, Jean-Jean Roosevelt, Zengle, Harmonique, Nouveau, Chakout No. 1, Gaber, Tilounet, Bello, Crayola, Chemise, Oh my God, Synchro, DJ Tony Mix, DJ Gayo, DJ Nicky Mix, CJ Paz, Paz, Gakko, Darlene Desga, Michelle Guillaume, Felicia Ross, Melan, Wendy, Troop Makaya, and many more. Saturday, January 7th, the first prestigious Haitian Music Award at the Miramar Cultural Center, 2400 Civic Center Place, beginning at 6 p.m. Admission is $75 in advance and $100 VIP. Hello, I'm Michael Mills with the Injury Assistance Law Firm. Have you been injured in a car accident or slip and fall and no fault of your own and don't know what to do next? Well, call me at 321-234-2900. I've worked for some of the largest insurance companies before starting my own firm and working for people just like you. I can help guide you through this confusing process and make sure you get the maximum compensation for your injury. Remember,
the Injury Assistance Law Firm. We're here for you. Ah ben, zami téléspectateurs ou même qui la carré, je ne t'ai annoncé là, et vous connaissez parti ça, son parti extrêmement important, parti ça qui précédé que parti que vous même vous parlez et participer également. Donc, vous avez intérêt sur séquence ça, puisque nous parlons invité avec nous, mais dans parti ça, nous commenter actualité là, et comme d'habitude. Donc, actualité à les dominer. Et actuellement là, par rejet et verdict BCE2 à lui-même Libye par rapport à la question électorale là en Haïti. Donc, ils ont estimé qu'ils sont incompétents après un pile parler qui était gagné dans le bureau électoral là, dans le cadre contentieux côté parti politique qui a contesté l'élection, résultat élection préliminaire. N'a pas les biens de Petite Dessalines et la paix avec famille Lavalas lui-même qui a fait double jeu, lui a contesté de façon juridique et lui occupé béton également. Yvan, n'a pas les avec les premiers commentaires en attendant que nous gagnions invité nous dans l'actualité en question. Merci Kerbi. Alors les premiers commentaires c'est que l'information nous gagnions qui sorti en Haïti et qui a commencé à faire état de cabinet ministériel pratiquement qui commençait à monter, des contacts qui commençaient à faire avec des particuliers, avec des officiels, même à l'étranger, pour inviter eux à venir dans l'investiture le 7 février 2017, et qui a venu là. Donc pendant que il y a deux tableaux, il y a joué sur deux tableaux. D'une part, il y a un monde qui perdu l'élection, qui contestait les résultats, mais d'autre part, les partis qui ont en tête classement déjà à planifier pour formation et cabinet ministériel, déjà qu'il y a des noms qui même a circulé, comme d'éventuels monde qui pourra remplir fonction de ministre en Haïti. Donc, qu'on a là, c'est une véritable négociation qui a mis et qui commence à être faite, parce que pas oublier, et l'autre jour là, nous étions avec nos maîtres Renan Georges, de PHTK, côté, il était dit qu'il n'y a pas à négocier avec un couteau en bas gauche. Interprétation, déclaration maintenant, c'est que tout simplement, vous connaissez des partis qui ont l'élection, qui perdent l'élection, mais généralement, il n'y a pas de dehors totalement de scène politique là. Mais puis il n'y a pas dehors de scène politique là, il faut occuper des ministères. Depuis quelque temps en Haïti, c'est un embarras qui est très monnaie courante, côté chaque gouvernement qui est en difficulté, eh bien, pour qu'il y ait un apaisement social, il est obligé de négocier avec l'autre parti politique yo, pour partager ministère yo. Le ça qui a mis partage ministère qu'on fait soit au niveau des négociations au niveau du parlement ou bien au niveau de la présidence. OK Yvan, là nous sommes fait premier commentaire yo, mais nous à recevoir et inviter hein, Yvan c'est maître Jacques Seus Joseph maître Jacques Seus Joseph bonsoir et bienvenue sur Télé Anakaona. Salut, bonsoir à toute l'équipe de Télé Anakaona. Bien content de rejoindre voir ça encore et vos amis nous, Yvan Martin, Jasmin. Merci. Et l'autre ami nous, Kaby Marcellus. Et je connais depuis au Cap-Haïtien, je connais de grands journalistes qui respectent peut-être nous, qui bien fait travail nous comme journalistes. Salut, monsieur, comment nous est? Merci, maître Jacques Seus, même nous bien contents. Étendez-vous et n'a pas suivi le parcours, M. Jacques Seus qui habite. Oui, depuis quelques temps, nous voyons que vraiment, M. là, il y a un bon parcours dans la question notamment droits humains. M. Jacques Seus. Et il faut nous rappeler que M. Jacques Seus, lui-même, c'est ancien professeur de droit international pour nous. Oui, M. là, tu fais droits humains pour moi dans la faculté. Merci et cher M. M. Jacques Seus, je vous dis demain, si Dieu veut, a fait déclaration universelle de droit monde, 68 ans. En tant que spécialiste de la question des droits humains par rapport au contexte social et politique en Haïti, je dis, ça date ça, ça nombre d'années ça, je le dis pour vous. Ok, et nous, dans le cadre d'une organisation, je dis, ma milité là-dedans, qui est le BODDH, Bureau des organisations de défense des droits humains, n'ont pas quitté. Date ça a passé, qui est le 68e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains. Et date ça très importante pour nous
et monsieur, parce que en fait, 68 ans déclaration universelle là, c'est le temps du bilan, c'est le temps pour nous évaluer est-ce que Nations Unies réalise et objectif li, ou bien est-ce que Nations Unies réussit et délivrer marchandises là qui c'est et déclaration universelle là pour objectif réaliser la paix dans le monde, réaliser un pays des États côté pas de torture, côté pas de violation droit à la vie, côté pas de viol, côté pas de violence, côté gain accès à la justice. Et tout ça, nous avons regardé est-ce que nous arrivons à faire ça dans le monde, et puis, parce que de plus en plus, l'État qui était garant et dans le monde pour tenir la paix, pour doit moun ta respecter, l'État ça yo, yo en pile fois, c'est des États belliqueux, c'est États qui font conflit, ou à regarder, et puis conflit armé, pas jamais suspendre, c'est ça, nous pas réussi gagner depuis 1948, 10 décembre, non, c'est une troisième guerre mondiale, mais nous avons un conflit intestin, conflit à l'intérieur des États, nous pas capable de tenir compte de eux, si nous regardons ce qui est passé en Yougoslavie, et ça qui est passé au Rwanda, côté environ 1 million de monde mourir dans un génocide absurde. En plus, tout conflit armé, côté grand pile, force de maintenir la paix dans le monde, mais en plus fois, pas jamais bien la paix, vous si nous regardons la répétition, ça qui est passé dans le Moyen-Orient, et ça qui est passé dans plusieurs pays, dans le continent africain, au Congo, qui a une force Nations Unies là depuis 1962, qui continue là toujours. Ou bien tout, et si nous passons Soudan, qui vient après une guerre et fratricide, côté Soudan vient une division, Soudan du Nord et Soudan du Sud, même Soudan du Sud là, Nations Unies accepté, créé, et Soudan du Sud continue et dans crise, dans conflit. Ouais, et qu'on y a là, on a regardé ça qui a passé la Syrie, ça qui a passé dans plusieurs pays, la Nations Unies n'a pas réussi à délivrer marchandises là. Et puis, depuis 1948, on l'a fait pour nous remarquer, à la faveur de la guerre froide, mais côté que tu as influence, pays de l'Est, pays Union Soviétique, qui a une Union Soviétique comme étoile, et puis pays de l'Ouest qui a gagné autant yo, capitaliste américain et Union Européenne en tête. C'est des pays qui ont envahi l'État, ils ont pratiqué torture, menaces, nous comprenons l'établi dictature dans plusieurs pays. Nous comprenons nous-mêmes en Amérique, là, Haïti, nous sommes obligés de faire 30 ans de dictature sanguinaire, assassin, sous période du Valier, et qui pas même gens avec Santa Brélé, dictature qui était passée, même si dictature et les dictatures, qui était passée au Chili, côté au moins tes grandes équipes négligées, qui à la fois point pouvoir, ils ont été contrôlés un régime, ils n'ont pas accepté un régime socialiste, mais en même temps tout, ils ont développé le pays, ils ont diminué la pauvreté, ils ont fait l'université développée. Dans le cadre de nous-mêmes Haïti, et dans le cadre de la déclaration universelle de mon 68e anniversaire, nous-mêmes, nous travaillons sur une hypothèse et pour nous faire deux jours de mobilisation et de sensibilisation en Haïti. Nous avons dit hier, qui était jeudi 8 décembre, nous avons une série de conférences avec les médias pour les médias pour propager l'information au niveau population. Et puis aujourd'hui, nous avons une sitting avec les victimes de choléra. Nous sommes partis sur un slogan, nous avons appelé sur une hypothèse. Nous disons 68 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies sont sur le banc des accusés. Pour qui ça nous dit ça? Nous dit même lorsque les Nations Unies étaient considérées comme donneuses de leçons, comme dit, en 1948, ils produisent un modèle pour faire respecter les droits de l'homme, ça, en pile chercheurs européens, les Nations Unies, déclaration étaient considérées comme l'évangile pour civiliser le monde baba, un monde qui était en conflit, qui a tué le monde, pour venir faire un monde tranquille, un monde qui gagne la paix. Mais les Nations Unies n'ont pas réussi à faire la paix, au contraire même, dans un pays tant qu'Haïti, vous sentissez des délinquants internationaux
qui quitte le propre pays, qui vient en Haïti, qui vient violer les droits de l'homme. Nous avons regardé des cas, plusieurs étrangers qui débarquent en Haïti, qui baillent filles enceintes, et puis qui virent dos, y aller, ils ont quitté maman petite, ils ont quitté petite, sans papa, pas bon ici, ils n'ont pas donné aucune pension alimentaire. Il y a là-dedans aussi américain, il y a ces Canadiens, il y a ces Français, ils sont dans un gros pays développé en Amérique, là côté, ils n'ont pas toléré, garçon pas prendre soin petit, avec Charles Support aux États-Unis, pension alimentaire en France et au Canada. Mais Mounsayo, ils ont quitté petit, sans papa, pas bon ici. Ils ont violé les jeunes garçons, ils ont violé les filles, et en fin de compte, ils ont eu choléra, pas bon ici. Nous, ouais, ils ont fini par choléra, pas bon ici. En Haïti, ils n'ont pas même pris le soin pour dédommager le peuple haïtien. Vous pouvez poser une question et position Ban Ki-moon prend 2 décembre. Oui, justement, quand il fait une sorte de. Il fait excuse à peuple haïtien. Et est-ce que le ministère est pour porter choléra en Haïti? Est-ce que vous pensez, M. Jacques, que excuse-là est proportionnelle à la quantité de dégâts que le choléra fait dans le pays? Non? Oui, mais là, on monte, si on monte, et ce n'est pas excuse seulement au café. Et surtout, les excuses-là, ce n'est pas un acte volontaire, c'est les. Victime n'a rien à moi, il m'a dit pour faire excuse là, ou faire excuse là, ou comment, moi je parle avec des juristes qui bien comprennent le droit, tant que les amis nous qui habillent ma cellule, ou bien ou même ils vont oui, matin. Merci. Nous connaissons sacré les théories et du repentir actif en droit criminel qui dit comme ça que pour ou accepter excuse, il y a un monde pour être de bonne foi, ce n'est pas menace, ce n'est pas pression pour Bali. Qui j'en ai son unis faire reconnaître les bails choléra. C'est 6 ans de combat, oui, nous menons. Okay. Ils parti dans le combat avec IJDH, IBA, IBO des avocats internationaux qui menent un gros bataille avec des journalistes progressistes aux États-Unis qui menent un lobby auprès du Parlement américain. Nous, même dans le niveau interne, dans le niveau Haïti, nous bataillons dans la commission santé Sénat avec le sénateur Polycarp. Et puis, avec plusieurs hommes sénateurs progressistes qui étaient dans le Parlement, dans le Sénat, et puis Sénat Bertrand qui était dans la Chambre des députés, qui t'a mené au combat. Nous, ici même, nous connaissons toute bataille, M. Éric Jean-Baptiste, et t'a mené tout pour dénoncer dans le niveau interne sur la question choléra. Moi-même, j'ai écrit un livre qui est la ministère et le choléra, procédure pour dédommager les victimes. Non seulement nous faisons travail ça dans le livre-là, pour nous montrer justificatif légal qui prouvait que le ministère n'a pas une immunité pour réparation civile et que Jacques Sayo, ministère des Nations Unies, c'est qu'on a habitué à dédommager l'autre pays, les hauts commettre des crimes sur les citoyens de l'autre pays, dans le cas de Malaisie, dans le cas de la Suisse, dans le cas de la Belgique, ils ont déjà qu'on est dédommagé. Dans Haïti, ils n'ont pas dédommagé, même lorsque ils commettent un crime. Donc, les Nations Unies, t'es forcé, t'es non tangente pour reconnaître le bail choléra. Et position, Ban Ki-moon vient prendre là, dans fait mandat, il fait 2 mandats dans tête secrétariat des Nations Unies. Les Nations Unies viennent tourner une institution décriée dans le monde comme une institution qui perdit l'image. Si vous regardez ce qui s'est passé dans la cour pénale internationale, dans pile pays africain, râle koyo, parce qu'ils regardent en pile monde, grande puissance, ils commettent crime contre l'humanité, pas jamais une poursuite légale contre eux-mêmes. Même là où ici, l'autre jour là, a décidé de râle l'école pour dire comme ça que la Cour pénale internationale, pas une institution qui équilibre le monde, qui tenu compte que il y a un monde dans le pays développé qui commet des crimes contre l'humanité pour poursuivre. Donc, dans le cas Haïti, c'est notre tangente, notre dernier retranchement. Nous mettons les Nations Unies pour faire connaître que c'était un modèle, c'était un évangile qui se doit de l'homme. 1945, qui était initié. Mais aujourd'hui, l'État haïtien est victime de violations de droits pâles, droits en bonne santé, droits accès à la justice. Les Nations Unies constituent un blocage pour empêcher l'État haïtien
et ou bien peuple haïtien en jeune justice. C'est ça clair. Hier, nous t'ai dit comme ça que Nations Unies était sur le banc des accusés. Nous justifions à travers cruauté, à travers crime, Nations Unies commettent contre la population haïtienne. Et je dis, à, comme nous te connaissons, nous te citine devant le palais national pour nous te dire l'État haïtien, si Nations Unies viole les droits monde, mais mon article 139, Constitution qui dit c'est le président de la République qui est responsable de diplomatie, qui est garant protection intérêts citoyens dans relation avec les autres États et les institutions internationales. Nous constatons que depuis le gouvernement et Préval là, ils fade, ils pas même occupé les haïtiens pour négocier avec les Nations Unies pour faire dédommager les gens qui étaient victimes de choléra. Ensuite, et nous-mêmes, nous devons voir une sommation par le président Makeli, qui va même occuper nous, il va nous faire sous question ça. Quand le président privé a venu là dans le gouvernement de transition, 14 juillet, moi j'ai écrit le président privé, je dis probablement, le président élu, il a une peur pour ne pas avoir un problème dans le mandat, il n'y a pas faire une contradiction en porte à faux avec les Nations Unies, mais nous-mêmes, le gouvernement de transition, ou pas gain aucun intérêt pour besoin des Nations Unies à protéger, puisque vous avez un mandat pour juste faire élection. Je dis à, c'est à travers le gouvernement de transition ça pour les Nations Unies et est capable de faire des dommages, puisque lui dit qu'il y a le choléra. Il dit encore, il excuse l'opinion de la population. Il dit encore qu'il y a le corps pour intervenir sur la question d'assainissement. Il dit qu'il y a le accompagnement à victimes de choléra. Mais en même temps, il dit nous avons une responsabilité morale, nous pas une responsabilité civile. Ça veut dire, au lieu de dire, il parle dédommager victimes de choléra, selon le principe de la responsabilité civile, il dit nous parlons un accompagnement, ça veut dire c'est juste une charité, il parle faire victimes pour ne pas assumer responsabilité, parce que si les Nations Unies reconnaissent une responsabilité civile selon le droit international, ça veut dire que nous pourrons obliger à respecter une résolution Nations Unies point le 25 juin 1998 pour dire les hauts débarqués dans le pays, si vous commettez un crime, vous commettez une violation, vous commettez une bavure, vous obligez de dédommager les gens qui sont victimes à raison pour pépiter 50 000 dollars américains sans ne pas compter. L'argent dépense qui fait, yo, par exemple, si mon nant est malade, dépense d'aller à l'hôpital, ou bien si quelqu'un qui mourit, dépense pour funérailles. Donc, c'est pour ça nous-mêmes, les nous défendons les victimes de choléra. Yo. Nous disons, les gens qui sont infectés par choléra, les Nations Unies payent 50 000 dollars. Les gens qui ont des parents qui mourent, qui ont fait funérailles, les Nations Unies payent 100 000 dollars. Et M. Jacques-Séus, est-ce que nous avons une base de données de tout le monde? Et qui était victime de choléra en Haïti, que c'est moun qui était malade ou bien moun qui était mouru, est-ce que nous avons dans niveau bureau dans niveau bureau et dans niveau bureau des organisations de défense des droits humains, est-ce que nous avons une base de données de quantité moun qui est victime de choléra qui est inscrit comme moun qui était victime, ou bien est-ce que nous l'ouvrions le registre de base de données? Mm-hmm. Nous avons une base de données qui pas gain en pile monde là-dedans. OK. Et parce que au fait, c'est environ 100 000 personnes qui sont infectées de choléra, même si l'État haïtien dit que c'est 70 000 personnes qui ont gagné. C'est environ 20 000 personnes qui mourent dans le choléra, mais on dit que c'est 13 000 personnes officiellement qui mourent dans le choléra. Mais nous-mêmes, nous avons donné, nous avons des documents sur une quantité de personnes qui mourent dans le choléra, parce que je dis à plus gros problème, nous avons c'est obstacle l'État haïtien mettait. M'a informé que en 2013, le gouvernement Matelia a fait circuler, mettait un circulaire dehors pour dire pour tout centre de traitement choléra, pas délivrer aucun certificat à victime. Wow. Document ça a circulé sur Internet, on peut juste taper sur Google ou écrit choléra et puis vous pouvez voir côté décision gouvernement pour mettre obstacle pour nous ne pas joindre et certificat. Et plus tard, décision s'arrêtait là, même sous gouvernement privé, gain côté
yo pa ba moun yo certificat médical. Gen côté tout les moun yo demandé certificat médical côté qui a accepté bay certificat médical yo, yo mandé $150 et puis pour bay moun nan acte de notoriété, yo mandé moun nan pour bay $1,500. Fòm tout bien, moi-même moi travaille avec environ 3000 victimes choléra que moi travaille avec eux. Mette Mario qui dans BAI ta nan supposé travailler avec environ plus que 10000 monde qui gen choléra. Mais plus gros obstacle yo moun k'ap travaille avec victimes choléra yo, c'est que moun ki victime choléra yo, c'est moun ki pauvre yo nan population qui te victime choléra. Ça t'a veut dire que moun sa yo ou gen doit nous réunion avec eux, moun yo pas même gen cop yo pe en camionnette pour retourner la caillou. Et nan kasa pa garder pour l'état haïtien au lieu que yo dispose d'un fichier nan ministère santé publique pour moun ki te mouri l'hôpital nan centre santé ou bien moun ki te infecté ki te gen dans fréquenter l'hôpital, yo pa gen dossier sa yo a, ou bien yo pa constitué, yo plus a ben chiffre moun ki mouri mais yo pa constitué un dossier avec toute une approche juridique de justification de victimation que moun yo te victime choléra. Yo pa gen dossier sa yo a. Et Nations Unies, tout ça qu'a parlé dans couloir Nations Unies, même lorsque yo ta d'accord selon en application résolution 26 juin 1998 là pour ta dédommager moun ki victime choléra yo et laisse yo ta ka supposé bay $40 milliards, laisse ça qui ça va passer comme problème, c'est que yo pa jwenn document qui identifie victime yo, parce qu'en plus victime yo pas une carte électorale, pas une carte d'identité. En plus victime yo tout pas de certificat médical. En plus là-dedans yo pas qu'à justifier lien yo avec moun qui mouri a dans un document qui est acte de notoriété pour ta ka gagner qui coûte très cher. Laisse ça Nations Unies gen doit disposer yo l'argent pour les dédommager victime choléra yo et puis en plus victime yo pas qu'à joindre dédommagement parce que pas gen document. Non seulement l'État haïtien pas gen volonté pour faire pour permettre moun yo jwenn justice. Nations Unies créer obstacle pour moun yo pas jwenn justice, mais en même temps tout l'État haïtien pas créer aucune condition pour que commission de réclamation faite dans sens que commission de réclamation son commission qui prévu dans accord qui implanté Nations Unies. Ici en anglais le SOFA, mais en créole, en français le accord de siège, accord qui est implanté Nations Unies. En fonction de l'accord ça, c'est pour l'État haïtien avec Nations Unies créer une commission, c'est une commission ça pour être capable entendre pour une modalité de dédommagement. Une question, mais si on est là, y a pas de document, vous n'avez pas de preuve, y a qui doit dire ben comme là. OK, comme ça retenir les Nations Unies victimes yo pas ka jouer comme là. Mais Jack Seyus n'a pas suivi avec en pile attention. Donc et Ban Ki-moon reconnaître que Haïti victime de choléra et jodi an nous fait sitting, nous amenons lutte contre impunité pour nous ta capable ouais couche défavorisée ta capable joindre yon bagage yon grabdaille en termes de dédommagement. Est-ce qu'on a dit nous dans qui point que nous y est actuellement, donc pour un monde cap suivre là capable bien comprendre procédure dans qui point que Haïti y est dans dossier ça. On a dit maintenant c'est dernière question M. Jacques. Oui, dernière question. Dans qui point nous y est, nous connaît que nous menons dossier déjà, nous a fait sitting, mais en termes de procédure légale qui côté Haïti y est par rapport à dédommagement que cap réclamer de temps en temps. Oui, et sur le plan procédural, nous avons dit que nous n'avons marqué pas sur place. Mais comme nous connaissons, il y a une bataille pour justice. Il n'y a pas seulement une bataille judiciaire. Les capables tous sont une bataille qui prend place dans le niveau politique, dans le niveau médiatique. Et c'est ça que même les nous, ou les Nations Unies, décider de l'égal immunité. Ça fait le pape endosser responsabilité civile pour dédommager victime choléra. Nous t'es obligé brandir et participation au parlement haïtien dans bataille avec l'autre parlementaire tant que parlement américain
qui prend résolution, Chambre des représentants, qui prend résolution, New York Times, Washington Post, plusieurs journalistes progressistes aux États-Unis, soit haïtiens, soit qu'ils ont mis Haïti, pour en position de ligne Internet, yo, Facebook, Twitter, donc plusieurs haïtiens, plusieurs chercheurs point intervenu. Et c'est ça que même, bataille là, il vient faite sous la légitimité des Nations Unies, remettre en question pour que ça, Nations Unies, vienne tourner une institution prédatrice des libertés individuelles. C'est ça que les Nations Unies commencent à changer position. Mais pour nous répondre, première manche, bataille là, c'est nous avons besoin de reconnaissance de la part des Nations Unies que c'est libre de choléra. Deuxième manche bataille là, il dit qu'on s'accueille là par accompagnement. Là, ben accompagnement à victimes, là, ben accompagnement à l'État haïtien pour éradiquer choléra. Mais même si méthode, je voulais utiliser dans le sens que je dis, je ne pas faire assainissement, mais nous-mêmes tous, nous menons une bataille là jusqu'à la reconnaissance de la responsabilité civile des Nations Unies. Premier, ça n'a fait, c'est coincer l'État haïtien ou l'État haïtien par victime accès à documents de preuve qui aux victimes de choléra. Les nous qui ont document ça, n'a saisi le tribunal national. Parce que nous avons fait recours à New York. Et le tribunal New York a dit qu'il n'y a pas qu'à faire recours contre les Nations Unies. Parce que les Nations Unies ont une immunité pour le tribunal New York. Mais nous-mêmes, ça n'a fait, n'a constitué le dossier ici tout. Pour nous assaisir au tribunal national, de façon pour un tribunal national rendre un jugement contre les Nations Unies pour dire qu'on s'acquête responsabilité de reconnaître là, il n'y a pas qu'une responsabilité morale, il faut une responsabilité civile. Et en tant que responsabilité civile, il faut dédommager les victimes de choléra de 50 000 $. Et ces batailles, ça, n'a continué à mener pour nous porter les Nations Unies faire reconnaître une responsabilité civile. Ou dédommager victimes choléra. Voilà, merci Maître Jacques Seyus. Joseph n'a pas rappelé que vous-même, c'est un spécialiste en question des droits humains, c'est un avocat, mais c'est en même temps un ancien membre du Conseil électoral provisoire dans le pays d'Haïti. Merci Maître Jacques Seyus. Est-ce que vous répondez à une question Télé Anakaona? Merci toute équipe Télé Anakaona. On a fait un bel travail, on a fait éclairage sur le plan juridique. En même temps, on a contribué à la démocratie, au progrès, au profit du peuple haïtien. Monsieur Kembela, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, moi, féliciter fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs qui branchaient belle émission, ça nous fait sur télé à Anakaona. Merci, Maître Jacques Seyus. Donc, voilà, amis téléspectateurs, c'était avec nous depuis Haïti. Maître Jacques Seyus Joseph, c'est un ancien membre du Conseil électoral provisoire en Haïti, c'est un avocat, c'est un militant des droits humains qui a mené une organisation qui est le bureau des organisations de défense des droits humains qui a milité pour respect des droits humains dans le pays d'Haïti. Ils se font bon râler dans ce qui est avec question Nations Unies qui fait excuse de ce que ces blancs ministères qui déportaient les choléra en Haïti, surtout avec déclaration qui fait 2 décembre 2016 passé par Ban Ki-moon, secrétaire général Nations Unies qui était présenté excuse par les peuples haïtiens. Ah ben oui, dans ça le dit, jeudi a été poursuivre avec gros sitting puisque demain c'est pour le jour J1, 68 ans déjà de déclaration universelle des droits de l'homme et il va nous connaître Haïti et fait partie de des Nations Unies. Donc Haïti est parmi 9 et premiers pays qui signent pour les Nations Unies. Donc nous-mêmes nous gagnons droit en dans Nations Unies. Donc c'est pour la côté pas nous dirigeants que n'a gagné qui pour lever tête pour permettre que haïtiens capable joindre ça à chercher dans cadre impunité cap mener contre maladie choléra qui fait en pile crier en Haïti qui côté en pile monde victime et dernier temps ça la grande danse dans sud pays monde et peuple haïtien continue à victime de maladie choléra ça que Nations Unies estime que c'est eux-mêmes qui entravent en Haïti. Nous allons prendre une pause pour nous capables de retourner très vite ou même qu'il n'a pas débranché puisque nous allons ouvrir micro, ouvrir antenne pour vous même capables de participer, ouvrir ligne téléphone pour capable participer avec nous. Commencez à chercher téléphone pour participer avec nous chaque fois ou relais, baisser volume télévision
qui la caroua ou bien récepteur pour communication capable passer très bien. N'a pas une légère pause et puis n'a tourner tout de suite pour vous même capable participer avec nous. Est-ce que nous connaissons un pile à bulle dans tout domaine? Citoyens, citoyennes, vous défendez tête nous, faut que nous connaissions nous. Oui, c'est un accident, oui. C'est assurance qui a payé ça. Oui. Rélandoni Smith Law, 407-299-8589. Dès que vous faites accident de machine, pas quitter les hommes qui ont pu faire monter des sons. Allez jouer un avocat, Anthony Smith Law, pour jouer un résultat. Ou faire accident dans le travail, ou tomber sous dos, ou fracturer pied, dos formal, ou besoin de jouer une action légale. Depuis c'est accident de travail, assurance qui a payé ça. Oui. Allez jouer un avocat, Anthony Smith Law, 407-299-8589. Ou même cap souffri ak dos fait mal, cou fait mal, tête fait mal, accident machine. Ah, misère ou fini. Ben de quelqu'un au Party Center qui chita kol nan 2834 9 Awasi Road deye do KFC a fait tout doule vole gage. Bon qualité docteur compétent, avocat qui fait l'argent vin jouen nou avon badje ou, équipement sophistiqué, employé qui kon jan pou yake yi moun, parking à gogo, transportation gratis ti chéri. Mon cher, ben de quelqu'un au Party Center ge tout sa wap chiche nan yon gros clinique. Rele yo nan 407-556-72-58, 407-299-77-37. Mes amis, sa pa réclame. Alwe ak de grenje ou. Have you been in an auto accident? If so, then you should meet with an attorney to learn your legal rights. Hello, I'm attorney Chris Anuj with the Anuj Law Firm, and we have over 37 years of combined legal experience. As a former insurance company attorney, I know what they typically look for when evaluating a case. Let my knowledge and experience help you obtain the cover you deserve. If you want an experienced attorney to personally handle your case, call me at the Anuj Law Firm at 407-258-8707. Nous parlons Creole. Prestigious Haitian music in association with Tele Anacayona and Radio Pacific FM presents the first prestigious Haitian Music Awards, Saturday, January 7th. Many artists and bands will be honored that evening. Like Class, Magnum Band, Lulu, That's It, Karimi, Suave, Mascompa, T-Vice, This Is Jean-Jean Roosevelt, Zengle, Harmonique, Nouveau, Jacoute No. 1, Gabel, Tilounet, Bello, Crayola, Chemise, Oh my God, Synclor, DJ Tony Mix, DJ Gaio, DJ Nicky Mix, DJ Paz, Paz, Gaco, Darlene Desga, Michelle Guillaume, Felicia Ross, Melan, Wendy, Troop Makaya, and many more. Saturday, January 7th, the first prestigious Haitian Music Award at the Miramar Cultural Center, 2400 Civic Center Place, beginning at 6 p.m. Admission is $75 in advance and $100 VIP.
retourner et je te dis, et c'est le moment pour nous capables de recevoir les amis téléspectateurs. Commencez par un téléphone nous, pour participer avec nous. Nous parlons par le numéro de téléphone nous, très vite. Et entre-temps, vous connaissez, nous sommes Jacques Seyus, un spécialiste en droit de l'homme en Haïti, qui t'a parlé avec nous sur le choléra en Haïti et qu'on y a la question. Monsieur, enclenché procédure yo pour yo capable et jeune dédommagement pour haïtien yo, mais et l'aime de poser la question et dans qui part que yo yé qu'on y a et monsieur répond catégoriquement que Haïti a marqué le pas sous pas, donc nous sous pas, mais Ban Ki-moon il va reconnaître que oui, de décembre passé la secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon il était fait une déclaration en créole bien sûr côté il était adressé à peuple haïtien pour lui faire excuse de ce que c'est Minusta qui baille choléra. Baille choléra en Haïti, notamment dans le département centre pays, hein, avec côté soldat népalais, où il fait vidange, côté où il jeté et matière fécale. Matière fécale. Qui vient infecter rivière dans la zone. Non, ça vient la cause. Tant qu'on met Jacques Seyus, sur 10 près de 100 000 haïtiens étaient infectés, parmi eux 20 000 personnes. Perdu. Est-ce que nous avons souligné déjà Kirby? Non, on a un accentué pour nous qui a participé avec nous. Mais Jacques Seyus parlait de dédommagement de 50 000 dollars américains qui ont été supposés par les victimes de choléra. Justement, est-ce que nous pensons que nous également, Ban Ki-moon parlait. Il jouer comme ça. Ban Ki-moon parlait de accompagnement. Donc, ou même qu'il a Kayo à Soya, ou capable de participer avec nous et dans le show, vous dites nous. Est-ce qu'on pense que 50 000 dollars américains à bon pour Haïti? Après, il y a une victime. Il y a une tout bon vrai. Bon, ou bien, est-ce que ce projet que tu as fait en Haïti, Jean Ban Ki-moon dit, qui est-ce qui t'a plus bon pour Haïtiens? Numéro de téléphone. Et numéro de téléphone, c'est 1-877-762-83-53, extension 6. Et nous avons 407-792-62-92, extension 6, Yvan. Nous avons l'autre numéro encore. 786-838-50, extension 6. Pour participer avec nous dans l'actualité en question. Donc, on a un appel et pour capable by opinion ou par rapport à ça. Donc, demain, c'est pour la grosse journée et pour célébrer 68 ans déjà de la Déclaration universelle des droits de l'homme, eh bien, et Haïti est partie prenante. Donc, qu'on y a, nous en phase de côté que choléra a ravagé et Haïti, et surtout après passage à cyclone Matthew en Haïti, nous toujours gagnons à pile victimes de choléra, ou même au capable opinion ou n'attend nous. Donc, nous saluons tout le monde. Miami qui branché Teliana Kaona, puis tout le monde dans Orlando qui branché avec nous, mon, et tout téléspectateur dans Hollywood, dans Canada, dans Québec spécialement qui branché avec nous, et puis tout le monde Orlando, dans Americana. Nous connaissons la grande pile monde qui branché avec nous, saluons. Et puis nous saluons toute base un peu partout et dans le monde là, et qui branché Teliana Kaona. Oui, qui a bien par ces derniers temps Haïti, même surtout après 2010, hein, Haïti, qu'on est en pile, difficulté, que ces catastrophes naturelles, on regarde après le tremblement de terre de janvier 2010, là, Haïti, qu'on est choléra, Haïti, qu'on est chikungunya, Haïti, qu'on est plusieurs cyclones et qui passaient, qui vraiment mettaient pays en difficulté. Mais d'abord, déclaration, ingénieur Claude Prepty, qui sont géologues, lui-même, il fait qu'on est que c'est pas tremblement de terre en eux-mêmes qui tuaient, mais c'est façon caillou construit. Okay. Donc c'est ça veut mettre pays dans un degré de vulnérabilité et qui est vraiment excessif. Donc numéro de téléphone nous on l'autre fois encore, on a rappelé c'est 1-877-762-83-53 extension 6 et puis 407-792-62-92 extension 6 et puis 786-838-50. Donc où se parle là. Donc après et passage Mathieu en choléra envahi Haïti et qu'on y a là, Haïti en phase pour réclamer dédommagement pour moun qui victime de maladie ça qui cap crasé et peuple haïtien et monsieur prévoit on a fait de 50 000 dollars américains par tête moun et projet assainissement donc ou même qui la caillou capable opiner avec nous
sous ça, puisque c'est pour le monsieur fait gros sitting Haïti pour voir si l'État haïtien capable d'engager et Haïti en route pour demander des dommages pour victimes. Donc pendant à parler de choléra, nous avons une crise électorale, tout élection en Haïti, c'est tête chargée, contestation, tout ça. Donc par rapport à ça, je dis BCD à Ivan, tout profiter, déclarer que il pas compétent pour le temps de. Non, c'était à prévoir. Il pas compétent. Généralement, au niveau présidentiel surtout, dans la contestation au niveau présidentiel, généralement BCD a pas jamais des compétences assez pour que les tranchées qui sont toujours ouvertes dans le bureau contentieux électoral national. Donc, 29 cap vini là, 29 décembre, ah ben, et KIPN, bureau contentieux national là, supposé qu'il y a un statut avant 29 décembre pour et KIPN lui-même est capable de publier résultat définitif élection en Haïti. Donc, date ça, en pile mon abtenu, 29 décembre, c'est. Et dernière date, et ultime. Oui, parce que ça va le permettre, si que l'engard écart qui gagne dans le pourcentage vote entre Jovenel Moïse, qui c'est lui-même qui est devant, par rapport à Jules Céleste qui vient d'Edol, par rapport à Moïse Jean-Charles qui vient en troisième position, et bien que Moïse Jean-Charles a revendiqué deuxième position, par rapport à Maryse Narcisse qui est en quatrième position, donc l'engard écart de pourcentage de vote, yo, eh bien, en plus de travail, l'État doit faire et nous avons l'impression, quand même, avocat pour demander le Conseil électoral provisoire là pour autoriser y a la centre tabulation qui est une étape dans la procédure qui a un rapport avec contestation résultat élection. Mais on va dire qu'il doit faire très vite, puisque le KIP n'a pas qu'à faire barre encore. Le 29, tout le monde a obtenu. Donc, pour que les résultats définitifs, il y a des gens qui déjà commencé à préparer les vestiaux, puis la préparation après. Il y a des contacts qui ont commencé à faire pour monter le cabinet ministériel au niveau du ministère des Affaires étrangères. Il y a des gens qui sont délégués pour commencer à établir des contacts pour être capable de faire invitation au niveau international surtout. Et puis, il n'y a pas publié les cadres d'invitation, mais il y a des gens qui sont préparés pour que le 7 février, ils viennent en Haïti dans prestation serment et installation. Nouveau président haïtien. 1-877-762-83-53 et extension 6 pour capable participer, puisque le ça c'est pour les amis téléspectateurs ou même qui la caillou qui a suivi Téléana Kaona. Donc c'est moment pour participer avec nous. Parité sans pas dire rien. Donc nous avons espace là pour avoir opinion. 407-792-62-92. Extension 6 pour participer avec nous, 786-838-50, extension 6 pour capable participer avec nous. Nous parlons à Mami Kabi, okay, avec 4-17-04, Babi, bonsoir. Bonsoir Babi, 4-17-04, bonsoir. Hello? Bon, oui, il y a sûrement peut-être un problème technique, mais... Et Régie a fait les arrangements pour être capable de rejoindre ma amie. Allô, ma amie, 9704, bonsoir. Donc, Gabine a continué avec le commentaire. Lina, antigen. Ma amie, 2919, bonsoir. Abaissez un autre numéro, vous nous. 2919, ma amie, bonsoir. Ma amie, bonsoir. 2919, ma amie, bonsoir. D'accord, je suis avec les commentaires au Kirby. Alors, on a demandé 4-17-04-29-19, Ritsoulinan, pendant que Régia lui-même a fait des arrangements techniques pour permettre que nous ayons possibilité d'entrer dans l'émission, non seulement pour nous faire opinion par nous, sur l'actualité qui a déroulé dans le pays d'Haïti, dans l'actualité en question, sous Téléana Kaona qui passait chaque soir du lundi au vendredi dans le Sahara. Non seulement nous faire information, nous commenter information. Nous avons plusieurs rubriques pour qui permettent au mieux comprendre, au mieux informer de tout ce qui a passé dans le pays d'Haïti, dans le domaine social, politique, culturel, économique.
et là nous on a fait contact avec mon encore et n'a dit yo yo capable tout monde qui souligne grand pile monde qui souligne là besoin entrer Ivan c'est 1-877-762-8353 extension 6 407. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, allô. Bonsoir, allô, bonsoir. Mm-hmm. OK, moi même pour opinion pour faire des questions choléra, moi même depuis yo ta gagné preuve que moun ki malade yo au moun ki gen moun ki victime préférer que yo ta bay tant pour yo ta passer par l'état haïtien parce que l'état haïtien lui-même qui pa fanyen pour moun yo il ka bay moun yo ti monnaie mais laisser moun yo ki victime depuis moun yo gen preuve c'est eux même ki victime donc c'est eux même qui ta pour suggérer que pou ta jwenn kòb la depuis yo passer par l'état haïtien. C'est comme agir, c'est la vie monsieur à terre parce que c'est plus que preuve. Son opinion pas. Nous gagnons 2738 Miami, on est à 2738 Miami. Nous dit premier téléspectateur merci, on a dit bon week-end. 2738 Miami. Miami 2738 bonsoir. 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 Vous m'êtes parlé. OK. Moi-même, ça m'a dit dans la bagage, ça, choléra. Moi, ouais, il va besoin de mon nom comme ça, avec 50 000 dollars. Moi, l'argent, ça, il va en avoir une chambre, bah, les victimes, ils ouvrent, parce que, il va payer pas, non. Avec quand même de l'argent arrivé dans mes gros paletots, grand manger, il va toujours prendre, il va pas mon nom. C'est ça, m'a dit merci. Merci pour participation. Merci, ma amie, participation. D'abord, il y a 4174 qui est souligné, est-ce que là, toujours? On a PC avec 4704, c'est Miami. Oh, Miami, 4704, c'est le va là. Il y aller. Okay. Et donc, pas oublier que l'espace est réservé à vous-même, mes amis téléspectateurs, pour capable de faire opinion. Où nous sommes gagnés, Maître Jacques Seus Joseph, un spécialiste en droit de l'homme en Haïti, et qui t'a intervenu sur Télé Anacaona, qui t'a éclairé l'antenne non par rapport à. Évolution et demande haïtien à faire pour être capable de jouer une cob et dédommagement par rapport à choléra. 97 qui... Kerbi. Mami, bonsoir. Allô? Bonsoir. Wannon, vous m'avez parlé. Bonsoir. Bonsoir, vous m'avez parlé. Wannon, vous m'avez parlé. N'attendez. Est-ce que c'est moi-même? C'est vous-même, oui, vous m'êtes allé. Ami, vous m'êtes parlé, 4-27-04, vous m'êtes parlé. 04, vous m'êtes parlé. Oh, ok. Moi-même, opinion par moi-même. Monsieur dit qu'on a 100 000 monde à 50 000 dollars. Maintenant, je sais l'argent, je vois. Mais je parle de projet. Si c'est projet qui gagne, je parle jamais de l'argent. Mais c'est l'argent, je vois. Seulement. Moi, j'ai opinion par moi. Donc, vous-même, vous avez ces projets qui fait? Projet à coup fait. Ok. Mais d'accord. Si c'est pour l'argent, vous n'avez pas besoin de l'argent. Vous n'avez pas besoin de l'argent. Ok. Merci pour participation. Moi, et appréhension, téléspectateur, inquiétude libre. Et pas oublier par rapport à deux corruptions qu'il y a en Haïti, à tous les, presque à tous les niveaux. Hein, les corruptions pratiquement dans l'État. Corruption dans l'administration publique et corruption dans la société à tout. Bon, crise de société qu'on y a là en Haïti, Kerbi. Côté même au niveau de famille, ouais, même au niveau de famille, situation économique là en Haïti, impliqué en pile bagage qui même fait et violer des principes de culture, des principes culturels, des valeurs culturelles. Valeurs culturelles. Ouais, violer va en pile valeurs culturelles. Moralité, donc en pile valeurs de morale. En pile question moralité et tout, yo violé yo parce que en pile difficulté surtout avec en garde un point qui est extrêmement important qui a question de développement technologique là de téléphones qui vont extrêmement cher et des fois on va trouver la main de deux monde qui et par conditions sociales et économiques puis au gain la main yo mais au gain la main yo quand même. Et malheureusement des fois famille yo qu'on pas dit parents qu'on pas dit rien et petit moun yo qu'on fait des bagages qu'yo pas dû faire puis au procéder genre de bagages ici là yo. OK, donc c'est de véritables bah, qui montre que en Haïti, qu'on a là, on a fait face à une crise de société à tous les niveaux. Société en crise et c'est crise économique là qui vient impliquer crise sociale là. Ok.
Là, les amis téléspectateurs, nous sommes toujours sous Télé Anaka, on a télévision Paola. Ah ben, et nous émettons depuis Miami, Orlando. Nous Miami sous Channel 11.2. Et puis nous Orlando sous Channel 38.2. Et puis avec nouvelle technologie, Facebook, nous émettons. Et puis sur website, nous, www.teleanakaona.com, pour monter web, joindre nous. Et puis, sur mon smartphone et Play Store, a permet tout joindre Télé Anakaona, monter, mettre Télé Anakaona, puis download li, et pour tout gagner télévision live sous téléphone pour capable suivre actualité en question et toute l'autre belle émission qui a réalisé sous Télé Anakaona. Donc là, est-ce que qu'à prendre un dernier monde encore et ça va dépendre de régie avec nous. Oui, parce que le marché. Donc, pas oublier que nous avons parlé de choléra en Haïti. Demain, c'est pour 68 ans, Yvan. 38 ans depuis qu'il y a une déclaration. Depuis un pile pays qui met ensemble pour signer une déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Ça veut dire tout pays d'accord et sur question application des droits de l'homme et sur respect droit monde qui a deux types de droits. Il y a un droit acquis, il y a un droit inné. Le droit inné, c'est le droit qu'on fait avec lui. Il y a des droits qui sont dans le ventre à un moment où vous faites avec le droit, ça. Le droit pour respirer, pour manger. Pour manger, droit pour habiller, etc. Mais il y a les droits acquis également. Il y a le droit qu'on gagne pour capable posséder un bagage, pour capable posséder un bien, pour capable travailler, pour capable jouer des opportunités dans la vie. Et droit pour y protéger tout, droit de protection, Donc, droit de consommation également. Oui, donc là, Haïti gagne pour le travail en pile par rapport à ça, pour permettre que citoyens soient capables de jouer une protection. Et c'est ça, même ouais, divers secteurs en Haïti par rapport à l'élection qui a réalisé là, a levé voix bien fort pour demander aux autorités pour accompagner les populations, pour permettre que pour contrecarrer la violence qui a fait, puisque violence les mêmes les fait pays à vin instable donc les pays à instable économie non pas bon et puis social non pas bon tout donc pour l'instant et pays en attente donc Haïti en attente de sa cap sorti dans les contentieux électoral là ben c'est sûr que 29 décembre il y a une décision cap sorti une décision cap sorti par rapport à publication résultat qui est fait préliminaire qui est fait 28 novembre passé à deux élections 20 novembre Kabi. Parce que l'arrivée Kabi. L'arrivée là, les amis téléspectateurs qui étaient branchés avec nous un peu partout dans le monde là pour te suivre actualité en question sur Télé Anakaona. Donc à Soya, Ivan, font un rappel très vite pour les amis téléspectateurs avant nous aller. Office protection citoyen dans le pays d'Haïti organise une conférence un débat avec Maïska Kouminalio pour regarder comment ils sont capables de supporter pour renforcer capacité collectivité territoriale. Et puis verdict BCE2A lui-même dit tomber puisqu'en pile mon tatané bureau contentieux électoral départemental là li estimé li incompétent pour être capable de statuer li sous cas contestation famille Lavalas la paix avec petite Dessaline te mené Bali résultat par rapport à résultat préliminaire élection présidentielle 20 novembre yo. Donc c'est bureau national là qui a gagné pour statuer. Et le 29 décembre, c'est date limite pour KIPA capable de dire définitivement qui est qui président pays. La mairie dans la capitale pays, la mairie dans Port-au-Prince, c'est la capitale pays d'Haïti, qui a parlé avec bailleur de fonds, avec secteur privé et puis autorité dans l'État, puis comme ils sont capables de couper problème Fatra qui envahit toute la rue Port-au-Prince, surtout en bas de la ville, avec en partie dans Pétionville. Ah ben nous t'ai parlé tout des chambres de commerce là les mêmes qui préoccupé par montée violence là en Haïti et appel qu'a fait à la violence dans cadre contestation qu'a fait par rapport à résultat préliminaire élection 20 novembre en Haïti. C'est seulement 28% femmes qui votaient dans l'élection 20 novembre 2016 passé pendant que gagnaient 4 femmes qui sont route pour aller dans le Parlement haïtien parmi eux Yon pour aller dans le Sénat République là et puis 3 poil dans la chambre députée. Dans un rapport détaillé et observation électorale là mettez dehors élection 20 novembre était acceptable mais il y a pile correction qui pour faire selon coalition qui t'a observé élection en Haïti qui a 5 organisations en dedans. Et puis l'ambassade Panama dans le pays d'Haïti tout qui a dénoncé
yon réseau rakete, yon même kap pran l'argent dans même monde pour ba yon faux visa Panama. Fait ou connaît qu'il y a des possibilités pour aller dans le pays Panama avec faux visa sida ou donc ambassade Panama. Fait qu'on est c'est seulement dans le consulat panaméen dans Port-au-Prince pour être capable de réclamer visa pour aller dans Panama. Ah ben la culture en Haïti prend l'autre coup après la mort de Black Easy qui mourit pendant seulement 7 ans. Oui, mais parmi eux dans la culture, donc après la mort Black Easy, je dis c'est Samba Kessi, aka King Kessi de Kujai, et lui-même qui passait de vie au tripas, et bien monsieur allait au-delà, monsieur traversé. Et Rivière, Yves, il n'est pas retourné encore. Non, il y a un ancien président du Conseil supérieur pouvoir judiciaire, l'ancien SPJ, Maître Anel Alexis Joseph, lui-même qui mourit à New York, la Cali, donc monsieur mourit, c'était le premier monde qui était occupé poste, président du Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, en Haïti. Il y a un ancien ministre agriculture à Golombe, François Séverin, qui mourit et la Cali, la plaine, dans Port-au-Prince, c'est Tifreli. Actuel directeur général du ministère de l'Agriculture, Agolom Arnoux Séverin, qui a fait annonce là à la presse. Ah ben, les amis téléspectateurs, ils vont pas connaître ce qu'on dernier. Seulement, dis-nous merci d'être que tu suivre l'actualité en question sur télé à la Kaona. Merci à l'équipe administration, équipe technique. Passez un bon week-end en compagnie de télé à la Kaona. Oui, merci à tout le staff technique là qui réalisait show actualité en question. Hein. Donc, nous avons un chapeau bien bas pour nous saluer, staff technique là. Et surtout, dévouement pour capable connecter nous avec invité en Haïti. Merci avec l'administration télévision Anakaona. Et merci à tous les spectateurs qui étaient patients et qui ont participé avec nous dans le show Actualité en question. Nous espérons retrouver lundi pour une autre show Actualité en question. Jeudi, c'est week-end, Yvan. Nous avons toujours un petit message pour nous. Chaque week-end, télé Anakaona dit yo. Si vous ne pas conduit et si vous conduit pas boire. Donc, ça, c'est le message week-end là, puisque ici, on connaît, il va dire DIY. Si vous conduit pas boire et si vous pas conduit. Donc, bonne nuit sous télé Anakaona. Remet prochain, remet les amis et famille, et puis pas jamais la guépier, bon Dieu. Ok. Et puis, bonne nuit sous télé Anakaona. Arrêtez pour suite programmation et avec direction et staff technique là.